piattaforma, un polo d'eccellenza qui a Trevano, per far modo che da qui si possa anche crescere a livello cantonale ma anche a livello svizzero. È un progetto ambizioso, è un progetto che comunque anche oneroso, ma non solo economicamente, ma anche il fatto di investimento personale, in ore, in contatti, in tutto quello che ci sta dietro. Quindi ecco, la qualificazione a livello svizzero è stata essenzialmente un primo impatto, ma adesso siamo qui a presentare questi due nuovi candidati che rappresenteranno appunto la Svizzera. Stranamente qualcuno potrà dire romandi, ma è così, siamo in una Svizzera con le varie regioni, questa volta è toccata a questi due giovani appunto partecipare a questo concorso. Sono contento di andare con due giovani, no, alla Coppa d'Europa a Ginevra. Questo anche lo scopo di tutto questo è anche consolidare quello che abbiamo iniziato. Siamo andati noi, diciamo, già a una certa età, adesso lo scopo è proprio creare delle squadre di giovani da portare alla Coppa Europa, e lo scopo è di qualificarsi per poi andare a Lione, per, diciamo, che la Svizzera, che mancava da 10 anni da Lione, ritorni a poter partecipare ogni 2 anni a Lione, avere un bel livello, alzare il livello, ad arrivare a fare delle squadre e invogliare i giovani a fare questi concorsi, perché al di là dopo del risultato del primo, il secondo, il terzo, il quinto, il decimo, è quello che puoi imparare in questi 2 anni di preparazione, perché alla fine tra Ginevra e Lione sono 2 anni di scuola, che devi imparare, provare, fare, disfare, si rompe questo, riprova, è una crescita anche a livello professionale enorme in 2 anni, che magari lavorando ci vogliono vari 10 anni per arrivare a imparare queste cose, invece in un concorso sei anche obbligato a impararle, a studiarle, a crearle. Lo zucchero rispettivamente del dessert a piatto, a cui lascio la parola per presentarsi ai giovani. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Cédric Pillou, je suis suisse, je viens d'un côté de Lausanne, dans le canton de Vaud. J'ai fait mon apprentissage en tant que boulanger-pâtissier à Orbe, dans le canton de Vaud. Ensuite de ça, je suis parti 4 ans à Paris, travailler dans un palace et dans un restaurant gastronomique. J'ai fait un concours sur Paris, où j'ai fait une deuxième au championnat de France du dessert à l'assiette. Ensuite de ça, je suis parti une année en Australie, où j'ai été chef de boutique, dans une boutique, on va dire, française. Et ensuite de ça, je viens de revenir ici, où j'ai pris une place de chef pâtissier dans un 2 étoiles Michelin. Je vais maintenant participer au concours. Encore plus, c'est-à-dire que ça va me faire grandir, ça va me faire évoluer, et c'est aussi ce que je recherche à cet âge-là, quand j'ai envie de grandir, j'ai envie d'apprendre encore. En faisant un concours, on est toujours dedans et on va encore apprendre encore plus que ce qu'on sait déjà. Et ça fait longtemps que vous pratiquez la pâtisserie? Avant votre apprentissage, vous faisiez quelque chose quand vous étiez petit? Ça vous a je faisais 2-3 choses à la maison avec les parents, avec la grand-maman. Je faisais les tartes ou des petits gâteaux comme ça depuis... je crois que j'ai commencé à l'âge de 11 ans à m'intéresser à la pâtisserie et je savais que je voulais déjà faire ça. Je m'appelle Georges Cardozo, je ne suis pas suisse. Je suis portugais. Ça fait 8 ans que je suis en Suisse. J'ai 3 CFC. J'ai fait cuisinier en premier. Ensuite, j'ai fait pâtissier confiseur où j'ai fini meilleur du canton de Fribourg. Troisième apprentissage, j'ai fait le boulanger. J'ai participé à 2 concours d'apprenti où j'ai fait la médaille d'or. Et à 12 ans en arrière, j'ai fait le championnat suisse. C'est les Swiss Kids pour les jeunes. Où j'ai fait la 2e place. Et à ce moment, je travaille comme chocolatier chez David Pasquier à Grand-Montana. Et voilà. Quindi la